Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la frite et j'espère que vous avez la frite. Aujourd'hui, on continue les sorties vélo, on est le dimanche 29 janvier je crois. Et bah, comme la dernière vidéo à vélo, j'ai prévu une sortie d'un peu moins de 100 km qui peut-être ne se passera pas comme prévu, mais aujourd'hui j'ai fait un tracé 100% route puisque dans la dernière vidéo à vélo, j'avais fini dans la boue en voulant prendre un chemin. Et ça m'avait fortement impacté ma fin de sortie, j'avais raccourci, j'avais vraiment essayé d'aller au plus vite pour finir parce que c'était plus très agréable, en plus il faisait 0 degré et j'avais un peu froid aux mains et aux pieds par moment. Aujourd'hui on est toujours en hiver, il fait toujours des températures assez froides ces jours-ci, mais aujourd'hui par chance il y a un peu de soleil et là on a 6 degrés, 6-7, j'ai démarré même à 8-9 à Toulouse, donc c'est une journée assez douce franchement. Je suis en doudoune avec les gants comme la sortie précédente, mais là je suis nickel, j'ai presque un peu trop chaud sous la doudoune. S'il faut, j'ai ma veste imperméable Salomon qui est beaucoup plus fine, c'est pas une doudoune en fait, hein. C'est une veste de pluie qui fera bien l'affaire aussi, mais là je suis pas mal en doudoune pour l'instant. Surtout que le soleil il est quand même intermittent, donc de temps en temps il fait un peu plus frais, mais de pas grand chose. Donc, pour l'instant c'est très agréable, j'ai dû rouler 10 km. Ouais, 12-13, donc ça passe très bien, là, ça fait plaisir, j'ai l'impression d'être au beau jour comparé aux semaines qui ont précédé, là il faisait très froid, à peu près dans les 0, ça monte à 3 la journée à peu près, mais pas plus, donc plutôt agréable aujourd'hui. Donc on va au sud de Toulouse, rien d'extraordinaire à voir a priori, moi je vais comme d'hab ces jours-ci essayer de choper quelques tuiles sur Stade Center et je vous fais ça en vidéo du coup. Là on va dans la campagne au sud de Toulouse et bon, en fonction de la sortie peut-être qu'on rentrera par le canal du Midi, ce qui nous fera plus de 100 km du coup, mais ça c'est vraiment sujet à ce début de sortie, comment il va se passer, est-ce que je vais être à un bon rythme, est-ce que je vais me sentir de continuer plus longtemps après, et auquel cas si je rentre par le canal ça ferait dans les peut-être 130-140 bornes et possiblement rentrer dans la nuit du coup, puisque le jour se couche vers 18h ces temps-ci. Bref, j'ai mes lumières, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là on va s'avancer un peu dans la campagne, on est encore dans des zones où il y a pas mal d'activités quand même. Il faudrait que je vous parle de la fin de sortie de la vidéo que vous avez vue la dernière fois, la sortie à 0 degré là. Parce qu'il s'est passé un truc quand même avec mon vélo encore, rien de très grave, mais ça m'a inquiété sur la fin de sortie. Donc je vous expliquerai ça juste après. La barre sur l'Aise. La barre de l'Aise en occitan. Bon. Il y a un petit vent de face, pas très important, donc ça va. Alors pour vous raconter la fin de sortie de la dernière fois, puisque le problème que j'ai eu c'est que bon, déjà j'ai fini dans la boue, il faisait froid, et puis les batteries de GoPro, bah, comme il faisait froid, elles se coupaient inopinément, elles finissaient à plat très vite, et donc je me suis retrouvé sans batterie pour filmer la fin de sortie, donc je vous ai abandonné au milieu de la sortie. Et alors ce qui s'est passé à partir du village où j'étais, c'est-à-dire Gargas je crois, c'est que j'ai décidé d'aller sur le canal du Midi. Non pardon, pas le canal du Midi, le canal latéral à la Garonne, pour finir ma sortie tranquillou on va dire, sur du bitume. Dans le village, j'ai programmé Saint-Jory pour aller rejoindre le canal. Et assez vite, il y a eu un moment où, lors d'un passage de vitesse, je me rends compte que les vitesses ne veulent plus redescendre ou remonter, enfin, ça dépend comment on le voit, je sais jamais trop. Je pouvais plus aller vers les vitesses un peu plus dures. Je pouvais aller vers la gauche et pas vers la droite. Bon, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est le câble qui commence à foirer, puisque il y a un an et demi, j'ai eu ce problème sur le pont de Saint-Nazaire. Enfin, un peu avant le pont et au niveau du pont de Saint-Nazaire, le câble de derrière-arrière qui s'est pété dans la manette. Enfin, dans le coude là, à peu près, ici. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être ça. Mais j'ai réfléchi et ça me paraissait bizarre parce que si c'était mon câble qui commençait à se détendre, moi je me serais attendu à ce que les vitesses aillent plus facilement vers la basse. Bah, le dérailleur revient à sa position initiale plus facilement quoi, puisque le câble est moins tendu, on ne peut pas aller chercher les vitesses sur la gauche. Donc je me suis dit c'est peut-être pas ça, c'est peut-être
de la boue qui obstrue un peu dans une gaine. Le câble n'arrive pas à coulisser parce qu'il y a un gros bloc de boue glacé dans la gaine qui fout la merde. Et je me suis dit sinon bah, c'est peut-être le dérailleur qui commence à foirer tout simplement et qui ne sait plus revenir à son état initial. Bon, j'avais vu que sur un dérailleur il y a quand même un ressort un petit peu important, donc ce serait étonnant que le ressort n'ait plus de capacité à sa capacité initiale. Un ressort comme ça, normalement ça reste bien, bien solide quand même. Et puis bon, quelques jours plus tard, je me suis dit, il faudra que j'enlève le câble quand même pour inspecter, parce que c'est le premier truc auquel j'ai pensé, et puis c'est facile à faire, au moins je sais enlever le câble. Et puis sur ce travail, il y a quand même un abonné du coup qui m'a dit qu'il avait eu le même symptôme récemment sur son gravel, et que c'était bien le câble qui commençait à s'effilocher dans la manette. Ben, du coup, comme il est effiloché, il s'agrippe un peu au niveau de la gaine à l'intérieur, et il empêche dans un sens ou dans l'autre de bien coulisser quoi. Et en effet, ça paraissait pas déconnant du coup. Et bon bah dans la semaine là j'ai regardé ça. Et en effet, le câble était en train de s'effilocher. Il y avait au moins 3 ou 4 freins qui s'étaient coupés à ce niveau-là, encore une fois, comme il y a 2 ans, enfin il y a un an et demi. Donc je pense qu'il y a une certaine faiblesse à cet endroit-là. Peut-être parce qu'il y a un coude, je sais pas exactement. Peut-être pas assez lubrifié à l'intérieur, je ne sais pas. Il faut dire aussi que le câble, il a vu pas mal de kilomètres, hein, puisque ça faisait un an et demi que je l'avais changé. Et j'ai regardé sur Strava, puisque sur Strava, je renseigne la plupart des composants du vélo. Et comme ça, on peut savoir combien de kilomètres ils ont roulé, chaque composant, indépendamment. Dès qu'on les change, après, on remplace. Donc je sais combien de kilomètres ont les pneus, enfin la plupart des composants en tout cas. Et donc le câble là avait 5500 kilomètres, je crois. Et j'ai regardé sur Internet, déjà j'ai trouvé la première info, c'est qu'on conseille de changer les câbles tous les ans. Et j'ai regardé, j'ai trouvé une donnée qui estime la durée de vie d'un câble entre 4000 et 10 000 km en fonction des conditions du climat où on roule, mais aussi des conditions où on stocke le vélo. Et moi, mon vélo, il dort souvent à l'extérieur. Donc que ce soit l'été ou l'hiver, il n'est pas couvert. Donc forcément, il voit des conditions assez rudes quand même. Donc c'est pas extraordinaire. Donc au final, tout ceci explique plus ou moins pourquoi le câble était dans l'état où il était, puisque ça faisait plus d'un an, j'ai quand même pas mal roulé. Et même si sur la fin d'année, ben, j'ai beaucoup moins roulé puisqu'il y a eu l'hiver, il y a eu des courses à pied que j'ai préparées. Du coup, j'ai délaissé un peu le vélo. Puis j'ai eu mon accident aussi qui m'a empêché de rouler un max en septembre. Je me dis que finalement, peut-être que ça m'a évité une déconvenue lors du voyage à vélo d'ailleurs. Puisque si on calcule avec tous les kilomètres que je devais faire durant ce voyage à Monaco, le kilométrage aurait sûrement accru l'usure du câble. Peut-être qu'il aurait pété durant le voyage encore une fois. Donc bref. J'ai changé le câble, j'en avais un en stock. Il faudra que j'en rachète un et que j'en ai toujours un avec moi maintenant. Parce que là, j'en ai pas aujourd'hui, mais normalement, ça devrait aller. Mais il faudra que j'en ai un sur moi à tous les instants. Parce que ça peut servir. C'est pas franchement un problème à transporter. Et ça peut sauver une fin de sortie, on va dire. Voire même une fin de voyage. Donc voilà, pendant la fin de la sortie de la dernière vidéo, j'avais ce petit souci de vitesse. Et donc je suis rentré sans toucher aux vitesses parce que je me suis dit si c'est le câble ou s'il y a un souci qui fait qu'il y a un truc qui pète parce que je veux changer de vitesse et que je me retrouve bloqué sur la plus dure, ça va être chiant. Même si j'ai deux plateaux, je peux quand même, voilà, je peux bouger un peu, mais ça m'a pas arrangé. Donc là je suis resté au milieu, je suis resté sur la vitesse du milieu. C'était suffisamment polyvalent pour la fin de sortie. Allez, là on est à Lagardelle sur l'Aisne. Ça va passer par l'église aujourd'hui. Très sympathique village, que je ne connais pas plus que ça, mais qui m'a l'air sympathique. Donc du coup, bah, vous avez dû voir d'ailleurs dans les plans du début de la vidéo d'aujourd'hui, à un moment, je vous montre un peu le système arrière et vous avez sûrement vu, ceux qui ont l'œil un petit peu aguerri, auront vu que j'ai un câble non coupé à l'arrière, sur le dérailleur arrière. Donc il est enroulé sur lui-même, j'ai essayé de le bloquer dans une position à peu près sécure. Tout simplement parce que je n'ai pas de pince coupante chez moi. Enfin si, j'ai une espèce de pince qui coupe. Mais alors, justement, j'ai dû couper mon câble l'autre jour pour l'enlever, l'ancien câble. Et j'ai galéré pendant un quart d'heure pour couper ce câble avec la pince de merde que j'ai qui est toute rouillée, toute nulle. Quand tu fais ça, du coup, ça effiloche le câble là où tu le coupes. Donc là, je vais attendre d'avoir une vraie pince coupante sous la main pour avoir une coupure nette. Ça, je pourrais y mettre ensuite une petite tête, je sais plus comment on appelle ça, mais une tête de câble là pour que ce soit joli et pour pas qu'il s'effiloche avec le temps. Donc il faudra que j'achète une pince coupante, sinon je ferai ça au boulot. Il y a des pinces coupantes à mon boulot.
qui coupe net d'un seul coup. Voilà, voilà, pour la petite histoire du câble de dérailleur. Donc c'est mon deuxième câble pété à l'arrière. Il faudrait que j'inspecte celui de devant du coup, sur le derrière avant, même si je pense que c'est un peu moins grave. On fait beaucoup moins de changements à l'avant, de vitesse, donc possiblement le câble est en meilleur état. Mais ça vaudrait le coup que je fasse un petit check, un petit changement même, hein. Ça coûte rien les câbles. Sinon, tiens, en parlant de vélo, cette semaine je suis allé au Cycliste Film Festival, je crois que ça s'appelle. Un petit festival de vélo au cinéma avec des courts-métrages ou enfin moyens-métrages, plutôt sympa. Beaucoup de choses variées en termes de sujets, il y a du vélo de route, il y a du voyage sur 17 000 km, donc très sympathique. J'ai même gagné un petit tour de cou, assez léger mais plutôt sympa déjà en termes de design. Donc c'était la dernière édition sur Toulouse je crois, il y avait 20 villes concernées mais à Toulouse c'était la dernière séance. Mais normalement il y aura une saison 3, là c'était la saison 2, donc l'année prochaine ça se refera sûrement. Donc penchez-vous là-dessus si ça vous intéresse, c'est sympathique. 6 degrés, 23 km. Pas beaucoup de D+ pour l'instant, mais ça commence à venir là justement. Les petites côtes. Allez, bon, on va se faire une mini pause ici. Pour manger un premier truc. J'en profite parce qu'il y a une poubelle. Surtout. Déjà au point où on fait un petit peu demi-tour entre guillemets, même si après le retour il est un peu plus zigzag parce qu'il y a des tuiles à aller chercher aussi, mais on arrive bientôt au village de Haute-Rive, village ou ville même, je sais pas, c'est un peu entre les deux je pense, qui est à 4 km. Il y a personne. Donc là on est dans une zone où c'est assez plat quand même, enfin, il y a quelques collines mais rien d'extraordinaire. C'est une zone assez plate quand même, ce qui est pas mal aussi si on veut rouler. Par contre c'est souvent sujet au vent quand même. Aujourd'hui ça va, il est quand même relativement doux. Donc ouais, on fait une espèce de petit demi-tour à Haute-Rive, on chope des tuiles et après on verra si on va au canal ou si on rentre par la route prévue. Je crois que c'était un cabinet aménagé ça, vu la tronche de la cabine à l'intérieur. Ah tiens, du coup sur le Cyclist Film Festival, il y avait un petit code promo partagé avec nous sur le site Ecoy. Grâce à ce code, je me suis acheté des surchaussures pour l'hiver. Je sais pas si elles serviront beaucoup pour cette année, puisque là, peut-être que ça va finir par se radoucir. Quand c'est des températures comme ça, ça passe encore bien. On verra. Ça évite de devoir changer les chaussures, puisqu'elles sont pas trop mal, celles que j'ai pour l'instant. Et j'ai pris des chaussettes longues aussi, de vélo, pour l'hiver aussi. Donc bon, peut-être que ça pourra servir aussi pour la course à pied. Je verrai en fonction de leur revêtement, comment elles sont. Au niveau des gants, il faudrait que j'arrive à m'équiper pour résister à des températures un peu en dessous de zéro, parce que ceux-là, ils suffisent pas à zéro. Là, ça va, mais parce que là, il fait un peu moins de 6 degrés. Ça s'est encore un tout petit peu rafraîchi, mais là, ça va bien. J'ai un léger froid au pied gauche. Peut-être qu'il y a le vent sur ma gauche, je sais pas trop. Mais aujourd'hui, ça va, c'est plutôt supportable. Enfin, c'est très supportable par rapport à la dernière fois. Donc, on doit approcher de Haute-Rive, là, ça doit être imminent. Et bien nous y voici en fait. Qu'est-ce que c'est que cette route? Attends, c'est moi qui fais de la merde. Oh, c'est bien ça, mais... Hop là. Allez, nous voici au cœur de Haute-Rive. Finalement, on passe quand même plutôt par le centre.
On va quand même passer sur le pont, c'était pas prévu, mais c'est plutôt sympa quand même, je pense. La vue. Qui va nous faire l'honneur de passer, sauf s'il est déjà passé, mais arrêtons-nous pour le regarder. Ben, je viens de me rendre compte d'un truc, ça, je me suis mis en danseuse pour faire un tout petit bout de pente sans changer de pignon quoi. Ça tire bien dans les jambes quand même, parce que hier j'ai fait une sortie trail avec un pote. On s'est fait 19 bornes dans une forêt avec 800 mètres de D+, histoire de préparer un peu le Black Mountain Trail, comme je vous disais dans la vidéo, une vidéo récente à vélo là, je sais plus laquelle. Ouais, du coup ça m'a bien tapé dans les jambes. Et là je le sens. Alors, sur du plat ça va, mais ouais, en danseuse, je ne peux pas mettre trop de puissance dans les pédales. Donc on va rester sur un pédalage fluide et régulier. Ça ira très bien. Et oui, puisque le Black Mountain Trail, ce sera début mars, donc ça se rapproche sérieusement. Je rappelle que je dois faire la Black Race qui fait 37 km en distance et avec 2300 mètres de dénivelé positif. C'est ça qui fait un peu peur, on va dire. Ça va être un petit challenge sympathique. Tiens d'ailleurs, en parlant de course à pied, donc au niveau planning, je vais expliquer mon planning de l'année principale. Donc les deux grosses courses qui arrivent pour moi. Donc je vous renvoie à cette vidéo pour le détail à ce sujet. Mais il y a un nouveau truc qui se rajoutera probablement entre les deux courses, donc entre début mars et fin juin. Ce serait début mai, je crois. C'est pas encore sûr, mais ben, du coup, il est possible que je fasse le marathon de Cahors. C'est la première édition. C'est un marathon avec un peu plus de 300 mètres de dénivelé positif déjà, donc vous voyez que c'est pas un marathon tout à fait plat. Surtout, c'est un marathon où au ravitaillement on peut déguster des vins. Donc ça fait penser au marathon du Médoc. Je sais pas si c'est aussi festif, mais il y a moyen. Donc si je fais ça, bah, ce sera mon premier marathon officiel, mais... Puisque je compte pas le... C'était bizarre, on m'a encouragé je crois dans la voiture là. Je compte pas le marathon de l'Orchis, qui est un trail, qui est pas un marathon techniquement, surtout qui fait 35 bornes. Donc ce serait mon premier marathon officiel, même si c'est pas un marathon à chrono, j'ai envie de dire. Et voilà, ça serait peut-être intéressant de faire ça. J'ai bien envie de le faire, ça a l'air sympathique. Donc je ne m'engage pas dessus pour l'instant, je pense que je vais attendre de passer la Black Race, le Black Mountain Trail, début mars, pour me fixer sur mon état, sur mon ressenti. Et mes envies, et à ce moment-là je verrai si je m'inscris à ce marathon de Cahors. Mais en tout cas ça me tente pour l'instant, ça me tente. Je crois pas être jamais venu ici, c'est peut-être pour ça justement que je vais pouvoir choper des tuiles par là. Allez, petite ascension là. C'est la première identifiée par le compteur depuis le début. Elle est surtout longue. Je pense pas qu'elle soit très pentue au global. Peut-être un peu plus sur la fin. Après ce que je commence à voir. Tiens, je viens de me rendre compte d'un truc très idiot de ma part. Par rapport au problème que j'ai eu avec mes batteries la semaine dernière sur la GoPro, je me suis dit que j'allais prendre ma batterie externe aujourd'hui. Chose que j'ai pensé à faire, donc là c'est très bien, sauf que j'ai pas pris de câble avec, donc j'ai une batterie
mais je ne peux pas recharger ma GoPro avec. Bon, cela dit, là, la batterie tient bien. C'est la première déjà depuis le début. J'en ai encore 5 autres avec moi. Là, j'ai tout pris, je crois. 5 ou 6, j'en ai. On tiendra jusqu'au bout. Le seul truc que je peux charger, c'est mon téléphone parce que la batterie, elle a une... On peut poser le téléphone dessus, ça marche par induction. Mais ça, ça marche qu'avec le téléphone. L'ascension n'est pas finie, hein. Là c'était la première partie facile. Et là on arrive sur la partie plus pentue, visiblement. Évacuation nasale. Et on y go. Je vais faire un petit pipi, je crois, par ici. Vu qu'il n'y a pas grand monde, visiblement. Ça fait un petit moment que j'en ai envie, donc il serait temps de s'y mettre. On va aller un peu plus loin quand même. Là il y a des maisons. Sympa là, dans une forêt un peu, j'aime bien. J'aime bien les routes dans des forêts comme ça. L'ambiance hivernale là, c'est un peu... C'est pelé, mais... je trouve ça sympa. Oh, c'est joli même là, je trouve. L'allée d'arbres là. Allez, j'ai fini ma compote, je l'ai mangée en deux fois, chose que je fais rarement, d'habitude je l'ai fini d'un coup les gourdes. Et là je me suis dit, tiens, mais je peux fractionner ma gourde en fait. C'est très bien parce que ça m'évite de manger trop aussi. Enfin, il n'y a pas trop mangé, c'est rare de trop manger sur un vélo, mais là vu que j'ai mangé avant de partir, une heure avant quoi, j'ai mangé vers 11h du mat en fait. Comme ça je me suis dit, j'ai un peu d'avance. Et du coup, voilà, j'ai pas eu besoin de beaucoup manger depuis le début de la sortie. On a dû faire plus de 40 bornes. Ouais, 43. Petite balade du dimanche. Donc là, je finis cette première ascension. Toujours là, on est en plein dans les tuiles que j'avais pas. Donc j'essaye d'étendre mon territoire sur Stade Center. Puis on verra ce qu'on fait après. Ça y est, on est en haut. Et on débouche sur une vue plutôt sympa, sur quelques petites vallées. Enfin, une petite vallée surtout. Aujourd'hui on voit pas les Pyrénées, hein, c'est trop couvert. Quoique d'un côté là-bas je vois un petit peu. Je peux pas trop vous les montrer. On voit les Pyrénées avec un peu de neige d'ailleurs. Ouais. Cool. Bon, je voulais filmer un rapace. Bon, évidemment, il s'est barré. C'est lui. Breathe in, breathe out.
Putain, je vais le rater. Je sais pas ce qu'il fait lui là-bas, mais il vole très bas. Température commence à chuter tranquillement puisque là on se rapproche des 4 degrés. Il nous reste 40 km à parcourir et je pense que je vais rentrer directement, hein. Je vais pas aller au canal. Ce sera déjà une très belle sortie. Je m'y attendais pas à ça là, une côte à 10% là. Je vais m'arrêter, j'ai un petit creux. Physiquement là, j'ai un petit creux vraiment dans le ventre. J'ai vraiment faim là, donc en général c'est pas bon, mais bon, faut que je mange un truc et on continue. Bon, j'ai pris une sacoche de 17 litres à l'arrière, c'est un peu trop, mais bon, elle se replie quand même facilement. Pour transporter un peu de tout, j'ai la veste dedans, j'ai des sous-gants, je sais plus ce que j'ai, du coup deux clémentines. Perçoit un peu Toulouse par là-bas. Il nous reste 34 km. Waouh, la vue. Oula, attention, pente à 17% en négatif. Ça peut être violent. Je sais pas ce que j'ai fait comme pointe de vitesse, mais j'ai bien senti l'air. Ouh ! Ah, ça fait plaisir.
Je sais même plus si on est passé à l'allée ici. Allez, on est sur la route de ce matin. Voilà, c'était la Gardelle sur l'Aise. Et là, on va sur la Barthe. Let's go. Bon, du coup, ça va être à peu près les mêmes routes que ce matin, je crois. À Toulouse, je vous ai expédié la fin sur un petit timelapse. Je sais pas ce que ça va donner, mais allez, un petit bug de batterie pour finir. On arrive sur Toulouse et ouais, je vous ai fait un petit timelapse. Voilà, donc retour un peu plus frisqué. Donc j'ai expédié la chose un peu. La sortie était pas si mal. Ça va nous faire un peu plus de 90 bornes normalement. Ouais, voilà, 95 à peu près. Ça va nous faire un peu moins. Je suis content d'arriver à faire quelques sorties en hiver. Et voilà, écoutez, on va se quitter là-dessus, puisque là, on va bientôt être arrivé. Donc, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était, bon, encore une fois, c'était pas les coins les plus jolis à voir, ni par le temps le plus joli d'ailleurs, mais bon, c'est toujours sympa de voir des coins un peu nouveaux. Donc là, on est dans la période où il y a quelques petits trails par-ci par-là, donc vous aurez eu des vidéos peut-être avant celle-ci, peut-être après celle-ci aussi. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, si ça vous plaît, bien sûr, à laisser un pouce, à me mettre un petit commentaire. C'est bien à la fois pour partager votre point de vue sur la vidéo ou sur un truc que je dis dans la vidéo, mais aussi pour le référencement des vidéos, puisque ça permet à une vidéo de ressortir un peu dans les algorithmes de YouTube, dans les propositions des gens, et de rencontrer son public. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, merci encore d'avoir regardé. Et surtout, on n'oublie pas toujours de garder la fit. Allez, ciao, ciao.